Le lavoir date de la fin du 19e. On commence à entendre parler d'un projet de construction de deux lavoirs en avril 1868. Mais il ne fut construit qu'en 1877 par M. Champommier, maçon à Mâcon, qui réalisa aussi celui de Dracé, aujourd'hui disparu. En fait, on avait confié à celui-ci la réalisation des deux lavoirs, celui de la RN6 et celui de Dracé. L'alimentation du lavoir de la RN6 servait préalablement à abreuver le bétail, ce qui avait causé quelques histoires au moment du projet de construction du lavoir. Thank you.